La Fédération de Russie travaille sur un projet similaire au Collaborative Combat Aircraft, CCA, qui vise à développer des drones asservis pour travailler avec des aéronefs pilotés. Le drone russe s'appelle Hunter. Il sera capable de travailler avec le chasseur de 5e génération Su-57. Les autorités russes indiquent que les livraisons de Su-57 ont commencé l'année dernière, que 22 avions seront en service d'ici la fin de l'année prochaine et que la production de chasseurs équipés de moteurs de 6e génération sera lancée d'ici 27e. As le Hunter Nayastavaisi, à l'instar des drones américains CCI, sera capable de mener des opérations de reconnaissance, d'attirer les missiles ennemis et de frapper les positions ennemies. En outre, le drone sera armé des mêmes missiles que le Su-57, notamment les missiles air-air et les missiles air-surface, respectivement. Le drone aura un poids au décollage de 20 tonnes et une vitesse maximale de 1000 km à l'heure. La société russe Sukhoi prévoit d'achever tous les essais du drone Okhotnik d'ici la fin de l'année.